Après une visite des universités de l'intérieur, Cissé Bakongo, ministre de l'enseignement supérieur, ne nous faisons pas d'illusions. De la dynamique du départ nouveau dans les universités ivoiriennes, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a visité du 1er au 4 juillet dernier les universités publiques de l'intérieur. Il était question pour Cissé Ibrahim Bakongo de toucher du doigt les réalités quant aux conditions de vie et de travail des enseignants, des chercheurs, du personnel administratif et technique ainsi que des étudiants, mais aussi et surtout pour voir l'état d'avancement des travaux effectués dans le cadre de la réhabilitation des universités. Après avoir fait un tour d'horizon qu'il a successivement conduit à l'université Pelleforo Gon Coulibaly de Korogo, à l'université Alassane Ouattara de Boaké, pour se terminer à l'université Jean-Laurougnon Guédé de Dalloa, Cissé Bakongo a entre autres échangé avec le corps enseignant, le personnel administratif et technique et les étudiants qui lui ont exposé leurs difficultés. Difficultés partagées par les universités d'Abidjan et se résumant entre autres aux problèmes d'hébergement des étudiants, le déficit en amphithéâtre, la connexion Internet pour une bonne application du système LMD, le transport des étudiants, le retard dans la livraison des équipements didactiques. En réponse, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a reconnu ces difficultés majeures rencontrées. Ne nous faisons pas d'illusions. Nous avons fait les travaux de réhabilitation dans un délai surréaliste de 10 mois. Je voudrais vous demander juste un peu de patience. Tout sera mis en œuvre pour que vous soyez dans les meilleures conditions de travail, a-t-il assuré. Aux étudiants, il a lancé cet appel. C'est vous qui êtes appelés à diriger le pays demain. C'est aujourd'hui que vous devez apprendre à être responsable, à respecter l'autre. La seule chose qui doit vous préoccuper, c'est vos études, car le pays compte sur vous, a-t-il expliqué.